Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne. C'est parti! Donc du coup on commence par les coffres d'argent, attention qu'est-ce qui se passe avec les coffres d'argent, 65 d'or et ça fait plaisir, c'est la base. Un golem de glace, c'est plutôt pas mal. 9 gobelins à lance. C'est pas mal. J'aime bien les gobelins à lance, mais je les utilise pas. Oh, 50 d'or, tu te fous de moi là? Attends, mais oh, t'es passé 65 à 50? Ah, fais gaffe. 3 mousquetaires et 9 esprits de glace, c'est déjà pas mal. Attention, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Et 52 d'or, ça fait plaisir. Un extracteur d'élixir, 9 Tesla, et puis c'est tout. Oh, espèce de radin, va. Voilà, coffre gratuit, attention, qu'est-ce qu'il y a d'autre? 71 d'or, ouais, c'est déjà mieux. 2 gemmes, c'est déjà pas mal. Un mini PK, c'est plutôt pas mal. 9 flèches, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, coffre gratuit, attention. 75 d'or, c'est plutôt... Bah, c'est mieux. C'est plutôt pas mal. Une boule de feu, disons que ça passe. Et 9 gobelins, ça va, ça fait plaisir. Et donc, du coup, le petit coffre d'or, attention, qu'est-ce qui se passe avec le coffre d'or? Qu'est-ce qui se passe? 176 d'or, ça fait plaisir. Mais ça vaut pas les 200. 3 hordes de gargouilles, ça faisait extrêmement longtemps que j'ai pas eu de hordes de gargouilles. Et ça fait plaisir. 11 flèches, mais nickel. Mais tu sais me prendre par les bons mots, toi, hein. Alors du coup, 14 esprits glace, je m'en bats les steaks, mais ils sont toujours aussi mignons. Et 4 cabanes de gobelins, ça, c'est pas mal, c'est bon. Ou alors coffre à couronne, attention, qu'est-ce qui se passe? Oh, attention. Oh, 449 d'or, toujours aussi plaisant. 2 gemmes, c'est vraiment pas mal. 15 flèches, ça fait plaisir. 3 extracteurs d'élixir, bon c'est pas mon kiff. Et 4 golems de glace. Et 42 électrocutions, bien entendu la base, la meilleure carte du jeu. Enfin bon, donc du coup, enfin après c'est ce que disent les gens, hein. Ils disent ouais mais c'est la meilleure carte du jeu, ils sont utilisés par les meilleurs, tout ça. Voilà du coup. Ce qu'on va faire, tu vois, on a fait un pack opening, et j'avoue que là, on a eu quand même des bonnes troupes, hein, on a eu de la horde de gargouille, on a eu des flèches, tout ça, enfin, c'était plutôt pas mal, tu vois, parce qu'il y a des fois, on a rien du tout, parce que moi, hein, à part ces troupes-là, je vois pas qu'est-ce que je veux d'autre, hein, tu vois, parce qu'il y a que celle-là que j'améliore, si à la limite, il y a le cochon, à la limite. Mais bon, voilà, quoi, c'est le grand max, après, c'est le grand max. Et pourquoi pas la princesse? Pourquoi pas, on sait jamais. Une petite princesse, ça fait toujours plaisir, mais malheureusement, non. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire deux petites attaques, et puis après, on aurait un coffre à couronne. Voilà, donc je pense que là, tu vois, c'est peut-être un peu mieux, tu vois, comme ça, au moins, tu vois, ça... Tu vois, y a pas de... Voilà, du coup, hop, là, non, tu vois, là, c'est... Tu vois, c'est différent, tu vois, c'est déjà un petit peu mieux. Ah, parce qu'après, on me dit, ouais, mais arrête de raconter ta vie, nanana, c'est ce que je fais d'ailleurs en ce moment, donc il faut vraiment que j'arrête, et donc, du coup, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Et c'est parti, on est contre 3D Luxe Cloud Z, qui est, niveau 8. Voilà, c'est déjà pas mal. Et donc, du coup, on va faire bonne chance. On va mettre le petit sorcier de glace, et on va tenter de faire du... Je sais pas ce qu'on va faire en fait. Franchement, je vais être franc avec vous, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Et donc du coup, ouais, c'est pas dégueu, mais c'est pas ça encore, tu vois. Ça passe ou pas? Il fait un coup, il fait deux coups, il fait pas trois coups. Non, c'est bon. Ok, donc là on est plutôt dans le... Voilà quoi. Ça passe ou pas? Ouais, ça va, c'est pas dégueu. Ah, on l'a pas tué malheureusement. On l'a pas tué cette méchante... Comment ça s'appelle? Princesse. Cette méchante princesse. On l'a pas tué malheureusement, c'est pas très grave. Et donc du coup on va envoyer ce qu'il faut, tranquille. Ouais, allez hop, c'est parti, on va le sorcier de glace mon gars. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Bah il va se passer que tu vas te faire défoncer. Hein? Et hop, tranquille ou pas? Mais ouais, tranquille ou mon gars, t'as vu ça un peu? Oh, ça c'est de la balle ça. Ah, c'est de la balle. Non, franchement, là c'est de la balle. Bon, alors ce qu'on va faire, on va envoyer... on va envoyer le Moss de Love. On va l'envoyer à droite ou à gauche? Allez, on l'envoie à gauche. Allez, c'est parti, on est des fous. On l'envoie à gauche. Et donc du coup on va envoyer après sûrement la horde de gargouille. Quoique avec sa princesse. Ah je sais, on va essayer de tendre. Ouh attends. On va faire ça déjà. Hein. Histoire de faire du taf un minimum. On va envoyer la Valkyrie. Pouf. Hop. Histoire de faire du défense. Enfin de la défense plutôt. Voilà. Et puis après on va tenter. Bon, on pourra pas envoyer la horde de gargouille. C'est pas grave, on va envoyer les flèches. Alors t'es où? Espèce de démoniaque. Non, il veut pas envoyer, hein. Ah par contre il a ça. Bon c'est pas grave, on va faire ça. Tranquillou, on se fait du taf, et boum. T'as le seum, hein. Ah, t'y pensais pas à ça, hein. T'y pensais pas à ça, mon petit. Et hop, regarde, petit à petit, la vie qui descend. Zioum, zioum, zioum. C'est de la balle. Bon, en attendant, on va détruire un petit peu ça. Ouais. Allez, la base, mon gars.
Ah, j'allais dire non, elle n'est pas détruite. Oh, j'ai eu peur. Hein. Ah, j'ai flippé. Je me suis dit, ouais, faut peut-être pas ma maman non plus. Hein. Bon, attendons. On est en train vraiment de l'exposer, donc j'espère que ça va continuer, parce que tu sais, hein, le rattrapage, hein, ça me connaît. Hein. On me rattrape beaucoup généralement. Donc, normalement, il y a moyen de faire du taf. Oh, tranquille, regardez-moi ça là. Oh, même pas besoin d'envoyer les flèches. Hop là, boum, on envoie ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a tiré des flèches pour rien. C'est génial. Et en plus, on gagne. Et ça fait plaisir. Attention, pouf, hop là. Ça, c'est bon ça. Et franchement, premier combat. Ok, premier combat qui se passe vraiment bien. Bon, il manque juste le super coffre magique, mais ça, c'est pas grave, ça arrive. Alors du coup, ce que je vais faire, parce qu'on s'est fait quand même un bon petit combat, et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur ce, pour une deuxième attaque, bien entendu. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la deuxième attaque contre KX, qui est niveau 10, ça va m'aider. Mais non, je déconne, c'est pas vrai. Tiens, comment ça me les saouler ces niveaux 10 là? Ah oui, non, ils sont tous là. Eh, bonjour, je suis niveau 10, je peux venir? Moi, je leur dis non, tu rentres pas. Eux, ils font, mais si, je rentre. Si, si. Et moi, je leur dis non. Mais eux, ils me disent si. Et du coup, je me fais défoncer. Ah, c'est pas possible ça. Bon, du coup, on va remettre le sorcier de glace là-haut. Et normalement, ça devrait plutôt bien passer. Ça passe ou pas? C'est pas dégueu. Bon, malheureusement, sa petite princesse là, c'est pas très très grave. Mais c'est dommage. Oh, ça passe plutôt bien. Oh, mais ouais, carrément. Et franchement, là, y'a rien à dire. Là, on est plutôt bien. On a économisé un max d'élixir. On va lui exploser ça. Oh, ça. J'ai plus comment elle s'appelle. Mais c'est pas très grave. Oh, attends, tu sais quoi, y'a même pas besoin d'envoyer les flèches. On va envoyer ça directement. Tranquillou. Et normalement, ça devrait passer. Là, bien sûr, il y a 2-3 intelligents qui vont me dire « Regarde, là, t'aurais le sort de zap !» Et ben, du coup, le dragon, et ben, t'aurais pu le zapper, et du coup, ben, ça aurait été tranquille. Ouais, mais je m'en fous, parce que c'est rare, les occasions comme ça, je m'en fous. Voilà, non, mais bon, voilà, ouais, non, franchement, entre nous, hein, bon, voilà, c'est rare, les occasions comme ça. Bon, en attendant, il y a moyen de faire du taf. Non? Ouais, pas vraiment, en fait. Ah, encore moins. Voilà, bon, c'est pas grave, on va quand même réussir, je pense, en envoyant le prince ténébreux. Ah, je sais ce que je vais faire. J'ai envoyé de la Valkyrie là-haut. Il y a peut-être moyen que ça fasse du taf. Ouais? Non? J'arrête, c'est peut-être nul la Valkyrie comme ça avec le... Ouais, non, c'était pourri. Bon, c'est pas très grave, ça arrive, voilà. Il y a des fois, on a des moments de nullité comme ça. Ça arrive, voilà. Alors, regarde, je vais lui faire croire qu'il va me toucher ma tour. Et en fait, eh ben oui, il me touche ma tour. Mais pas tant que ça, voilà, c'est juste un petit peu. Bon, alors du coup, on va les archer. Normalement, ça devrait aller. Ouais? Hop là, tu vois déjà on l'a tue direct, et là on va les archer, ce qui fait du taf, enfin est-ce qu'il défend, même pas, il défend pas, et du coup on va faire un petit peu de taf, tranquille, ouais, magnifique, oh là là, magnifique, voilà c'est parti, on envoie le molosse de lave, on va lui montrer que c'est le patron au molosse de lave, alors il envoie le molosse de lave en premier, pas de soucis mon petit, pas de soucis, mais on voit toutes tes troupes si t'as envie, je m'en bats les steaks, oh là là, regarde, hop, on va faire ça, on va envoyer quoi d'autre, on va envoyer ça, on va envoyer, hop, le prince ténébreux, ça devrait passer normalement. Ouais, le prince ténébreux, tranquillou. Voilà, on va mettre ça, tranquillou. Regardez-moi ça, il peut rien faire, là, contre moi. Rien du tout, regardez-moi ça. Je suis presque fou. Regardez tout ce qui reste et tout, les tout, là. Regardez, hop, et là, je suis presque fou. Élixir, tranquillou. Hop, là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais renvoyer, tranquillou, hop. Je vais envoyer ma petite méga gargouille. Là, je vais envoyer mon sorcier de glace. Regardez-moi ça. Le mec il a abandonné carrément, bah ouais. Ah là là, le mec il a tellement le seum qu'il a abandonné, mais carrément. Non mais tu vois ce que ça fait de jouer avec moi? Ah mais attends, ça détruit ton cerveau quand tu joues avec moi. Eh ouais, ça détruit ton cerveau, et du coup après bah t'abandonnes, voilà. Ça c'est de la balle ça, dis donc. Voilà, non mais franchement, tranquille, voilà, petit niveau 10. On l'a bien explosé, ça fait plaisir. Non, parce qu'il y en a marre de rencontrer des niveaux 10, hein. Ah, mais à chaque fois, hein, maintenant que je suis à 2800, il y a que des niveaux 10. Bon, il y a des niveaux 9, hein, mais il y a quand même pas mal de niveaux 10, c'est hallucinant. Et encore des niveaux 8 aussi, hein. Ah, je t'assure qu'il y a encore des niveaux 8, c'est un truc de fou. Niveau 8, ils sont là, ils se ramènent. Ouais, bonjour, je suis niveau 8. moi, je leur dis entrée, tu vois. Puis eux, ils me disent, ok, pas de soucis, c'est hop là, avec le petit sourire en coin. Et puis après, tu sais, moi, en pensant gagner, tout ça. Et puis après, bah, ils m'explosent et tout. Et ils me plantent un couteau par derrière. Et puis ils font, t'aurais pas dû me laisser rentrer. Et du coup, moi, je suis, oh, mais vas-y, c'est pas du jeu. Enfin bon, donc c'est dommage, mais ça arrive, c'est comme ça. Et donc, du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire tout de suite pour le coffre à couronne. Et voilà, on est tout de suite pour le coffre à couronne, même pas besoin de faire de coupure, et ça c'est de la balle. Donc du coup, coffre à couronne, attention, pouf. Alors, 506 d'or, c'est déjà pas mal. 2 gemmes, c'est raisonnable. 15 chevaliers, c'est plutôt pas mal.
6 tours de l'enfer, je l'utilise pas. 42 mortiers, mais alors là, celui qui me dit que le mortier c'est bien, franchement, je me demande ce que tu fais avec le mortier, hein. Ouais, tu dois tirer sur les tours avec le mortier, ouais. Non, mais attends. Ah là, je te jure. Alors, du coup. Ouais, un petit sort de foudre, mais c'est la base. C'est la base. J'aurais préféré un petit ballon, c'est pas très grave. Non, mais franchement, le sort de foudre. Hein, à part détruire la moitié de la vie de la tour, hein, je vois pas à quoi ça sert. Voilà. Et vu que bah, je joue pas à ça, moi, de détruire la tour avec des sorts ou ce genre de choses, et bah ça me sert à rien. Voilà, hein, voilà. Et puis ça coûte cher aussi, le sort de foudre. Hein. On va pas se cacher. Autant prendre la roquette, hein. Au pire. Quoique la roquette. Le désavantage de la roquette, c'est qu'il n'y a pas un gros rayon, tu vois. Donc faut vraiment qu'elle soit agglutinée, les troupes, hein, parce que sinon, t'es un petit peu dans la... Voilà, quoi. Mais bon, c'est vrai que le sort de foot, c'est pas trop mon délire. En attendant, on s'est fait un petit pack opening. On s'est fait deux petites attaques. Trois quoi. Deux petites attaques. Et trois... Attends, je vais te le dire, parce que... Mais je sais plus. Et c'est un truc... Mais non, il n'y a rien du tout. Et qu'est-ce que je dis? Non, deux petites attaques et une coffre couronne. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit trois. Enfin bon. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur ce. Je vais vous dire dans la prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis n'oubliez pas, c'est cool.